Donc, EFG, depuis 9 ans, il est avec nous. Et maintenant, il a renouvelé encore pour 3 ans. Donc, c'est 12 ans que nous, la EFG, c'est notre partenaire officiel de la journée monégasque de Nairobi. Donc, effectivement, il a écrit ça sur la banderole de sa chair. Voilà. Et on peut payer n'importe quoi comme de... Hein? When you buy one, yeah. You pay... €2, it costs €2. €2 to buy. And the €2 go entirely to Frankie. The 2-0 won't... And if people want to give more? Hmm? If people want to give more, it's a separate They can give more, they can give more, there's no problem. Mm-hmm. But the €2, we don't pay the ball, so the €2, les 2-0, c'est entièrement donné à 100% à Frankie. Donc nous, on le met pour les enfants malades. Parce que ça, c'est ça que c'est la beauté du nez et la sponsoring, c'est ça, parce que c'est gratuit pour nous. Je le vends entièrement, les 2 euros viennent nous. Voilà. The people have no car, they have nothing. They don't car, it doesn't matter, they still buy red nose, even if they haven't got a car, which is nice. Oh, good. Ceux qui n'ont pas de voiture, ils l'achètent quand même. Oui, c'est sûr. D'accord. Parce que je suis sûre que la moitié des nez rouges qui étaient vendus, ils ne seront pas sur les voitures. Je ne sais pas où ils vont, aucune idée, hein, Jessica, mais ils le gardent, je ne sais pas. Donc ils font plein de choses parce qu'il y a le trou dedans que j'aime beaucoup parce qu'on peut le lier, donc on peut le mettre là, donc c'est sympa. Puis le fait d'avoir changé, il va s'en vendre plus. Oui. Donc, je changeais comme ça. Parce que moi, j'aime beaucoup changer les choses. Et je ne sais pas si vous voyez le noir de Frankie. Donc, le gala, chaque année, c'est différent. Donc, on passe au gala maintenant, le gala des enfants. Donc, chaque année, pour la récolte d'argent, pour notre noir de Frankie, chaque année, depuis 18 ans, on fait un gala. Donc, on a commencé avec le gala pour les adultes, et puis on est passé d'autres galas, et on a fait toujours Mission Rêve, puis on a fait les 12 ambassadrices, chaque année il y a un thème. Et jusqu'en 2011, quand on a fait Cendrillon, on a fait le musical, et qui a pris 2 ans de travail. Donc, en 2011, 2013 et 2015, on avait proposé les 3 musicals. Cette année, et pendant la dernière année, effectivement, le musical a pris une ampleur énorme, coûteux, mais toujours gagnante pour l'association, parce que j'ai toujours fait un manière tel que toutes les artistes qui venaient étaient gracieusement venus sans les rémunérations, donc c'était pas évident non plus. Mais je pense que peut-être maintenant à la 3e édition, après Cendrillon et Mission Rêve, et Aladdin, je pense que je ne sais pas si j'arriverai à faire encore un musical parce que c'est trop d'énergie physique, c'est quelque chose de vraiment très 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 complexe. Mais en tout temps que les musicals arrivaient, Kids Night s'est mis au milieu. Parce que effectivement, avec le musical qui était pour les enfants, et il y avait de moins en moins de présence dans un gala d'adultes, je dois le dire. Et des ventes en chaire et beaucoup de choses que je trouvais c'est très lourd. Une vente aux enchères, c'est très lourd aujourd'hui parce que la demande d'argent, maintenant, c'est plus comme en avant. En 10 ans, le monde a changé et Monaco en particulier, tout est changé. Donc, nous aussi, on doit changer. Donc, Kids Night s'est mis au milieu, c'est la 3e édition maintenant de Kids Night. Qui a marché tout de suite impeccablement bien parce que la première édition de Kids Night, on l'a fait au chapiteau. Et les enfants, ils étaient très contents d'avoir un peu un spectacle et d'avoir un dîner après. Sauf que l'année passée aussi au chapiteau, c'était très complexe pour le dîner. Parce que de servir un dîner au chapiteau, quand il n'y a pas une cuisine derrière, j'ai dû faire appel à la restauration de mon fils, que je n'ai pas voulu aimer ça, c'était un peu complexe. Donc, je dis pourquoi pas, cette année, on va au Sporting Salle des Étoiles. On essaye. Donc, c'est la première année. La SBM, après un grand rendez-vous avec vraiment le top monsieur de la SBM, j'étais obligée d'arriver jusqu'au top de monsieur là-bas, que, effectivement, après, il m'a dit oui. Donc, on aura notre première soirée de gala. Kids Night au Sporting Salle des Étoiles. Jusqu'à là, c'était bien.
Et après, quand il m'a demandé, alors combien le lendemain, parce que non, moi, je suis avec le Noël de Frankie derrière. Donc, le Noël de Frankie, effectivement, ce n'est pas évident. Donc, j'ai dit, ben, on a 2000 enfants. Alors, l'ASBM, ils m'ont demandé, mais où on va mettre 2000 enfants dans la salle des étoiles? Ce n'est pas possible. Donc, on a fait la convocation théâtrale. Où on a 950 places, donc après le Kids Night, du vendredi 16 décembre, et le dîner et le spectacle. Le lendemain à minuit, le soir même du vendredi, les tables vont disparaître et ils vont préparer toute la configuration théâtrale à l'ASBM. Le lendemain, dans la salle des étoiles, on aura le théâtre avec 950 places deux fois. Donc, il y a un nombre d'enfants moins que les autres années. J'ai dû m'arrêter à 2000 parce que ça, c'est la capacité de la salle des étoiles en deux parties. À 10h30, le samedi matin, il y aura le Noël de Frankie avec 950 enfants malades. Et l'après-midi, à 14h30, il y aura un deuxième spectacle, toujours pour les enfants malades, le samedi après-midi. S'ils nécessitent, on fera peut-être le lendemain en faisant 950 trois fois, ça fait 3000. Et ça, c'est le nombre d'enfants qui, effectivement, seront habituellement avec nous. Avec les adultes, ça fait 4000. Et donc, on va restricter les adultes. Donc, c'est toute une étude à faire avec l'association qu'on a étudié bien. On va faire. Et c'est la première année, donc on va voir qu'est-ce que ça donnera. Mais l'important, c'est de donner une soirée de gala pour les enfants de Monaco, de la Principauté, pour que puisse le lendemain donner un Noël de Frankie avec la récolte du gala. Il y a quand même, ça m'a pris 18 ans de travail. 18 ans pour arriver à faire un gala pour les enfants, pour le lendemain pour les enfants malades. Je ne sais pas combien, pourquoi, mais ça m'a pris si longtemps de décider, de faire cette décision, de donner, que ce soit les enfants de Monaco qui puissent donner à les enfants malades, avec les adultes évidemment. Mais ça, c'est le résultat de 18 ans de travail. Donc, je ne comprends pas pourquoi, mais voilà, on est arrivé à ça. Encore, je ne peux rien dire parce qu'on n'a pas encore fait, effectivement, pour sporting. Donc, je vous dirai ça en janvier, si c'est un succès. Mais je pense que oui, parce que les enfants, ils sont très, très, très excités de venir et de s'habiller, soit ce qu'ils veulent, en princesse, en prince, en tenue de soirée, je ne sais pas. C'est les enfants, c'est leur soirée. Donc, c'est eux qui vont s'habiller, d'avoir leur gala, ils rentreront dans la salle des étoiles, et dans l'entrée du sporting. Et moi, à différence du secrétaire dans le bureau, ils m'ont dit, alors, Madame Giraudy, qu'est-ce qu'on fait? On utilisera le salon de palmiers, les cadeaux, parce qu'il y a quand même 2000 cadeaux à paqueter et de mettre dans les sachets. Je dis non, pas de salon de palmiers, du tout. On met tous les cadeaux dans l'entrée du sporting. Et c'est ce qu'on a fait. Je me suis battue parce qu'ils ne voulaient pas, mais je dis oui. Donc, quand ils vont rentrer au sporting, il y aura tous les cadeaux avec des enseignes qu'ils ne peuvent pas toucher parce que les enfants, malheureusement, ils arriveront en pensant que c'est pour eux, mais non, ils sont un peu le lendemain pour les enfants malades. Et je trouve que ça, si chacune de vous viendra avec un enfant, ou si vous serez là, j'en sais rien, mais il faut faire attendre à les enfants de Monaco qu'effectivement, le lendemain, il y a le Noël de Frankie, et que c'est grâce à eux et leur présence a fait de manière telle que les cadeaux qui sont là qu'on a achetés, et c'est eux, effectivement, c'est grâce à eux qu'on a acheté les cadeaux, c'est pour les enfants le lendemain. Les enfants, je trouvais ça très sympa, très bien. S'ils le mettent sur la voiture, j'en sais rien, mais un grand nombre de nez rouges a été vendu cette année, plus que d'habitude, je dois le dire. Et c'est très bien. Si nous, on les verra sur les voitures, ou ils les donnent comme cadeau, aucune idée. Mais c'est très sympa que, effectivement, les usines, les sociétés et les personnes de Monaco ont joué tous le jeu. En partant, il y aura une petite belle surprise que je ne peux pas encore vous dire qu'est-ce que c'est parce que c'est un peu dommage qu'il passe dans le dernier journal. Parce que c'est vraiment une surprise qu'il doit savoir. C'est quelque chose de très sympa. Et donc, ils auront leur cadeau. Donc, les enfants rentreront le soir de vendredi.
Ils iront dans la salle de sporting et il y aura tous les ateliers derrière, les ateliers pour les jeux, pour plein de choses, photoshoot, il y a plein de surprises. Il y a aussi un petit théâtre tout à l'heure aussi. Il y a plein de choses qui prendront l'attention des enfants. Et à 8, ça c'est 19h. À 20h, ils vont dîner. Et entre le dîner, le début à la fin, il y aura à la fin, à 21h40, un grand spectacle qui c'est pour les enfants avec des enfants. Les enfants de la télé, les enfants qui sont. Ils étaient déjà, ils ont fait un grand chemin, ils ont des enfants qui vont chanter, des enfants qui vont faire de la magie, des enfants vraiment très haut niveau qui seront là pour les enfants. L'Académie de musique a voulu me donner comme cadeau 40 enfants, que c'était une grande surprise parce que je n'attendais pas 40 enfants de l'Académie de musique qui viennent chanter pour Frankie. Donc ils ont tenu à faire ça, ils ont voulu venir. Donc, ils seront les premiers à être sur scène. Pas pendant le spectacle, mais pendant tout de suite au début. Il y a aussi 40 enfants, 37 enfants qui viendront de l'Académie de danse de Savona, en Italie, qui vont faire une danse aussi. Il y a trois couples de champions européens de danse, de salsa et de valse et de tango aussi. Donc ça aussi c'est un spectacle. Et puis il y a une chanteuse qui est tombée du ciel, qui voulait chanter pour la première fois de sa vie. Donc c'est incroyable parce qu'elle n'a jamais chanté, mais elle est très brave, bien. Donc elle chantera pour la première fois sur la scène du Sporting. Et c'est Natalia. Et elle est russe, elle est adorable. Donc il y a plein de surprises là-bas. Donc pendant le dîner, il y aura l'élection de Mr. Kid. Ça veut dire qu'on va choisir au pif, des enfants dans la salle vont choisir les meilleurs habillés. Donc on aura une petite récompense de Mr. Kid sur scène. Je voulais faire ça parce que c'est un peu sympa pour les enfants, ils adorent. Donc une interaction avec les enfants qui vont monter sur scène, descendre sur scène et de faire le plus, c'est-à-dire pas le meilleur habillé, mais le plus sympa de la soirée pour donner un cachet de ça. Ça c'est aussi une petite surprise. Et ils auront aussi comme cadeau une nouveauté technique, une montre. Je vais prendre deux gagnantes, un garçon et une fille, parce qu'il y a 5 filles et 5 garçons. Donc les gagnants, ce sera une couple et vont avoir un cadeau, une montre. Je ne sais plus le nom de la montre, qu'est-ce que tu as Kiwi Watch. C'est une nouveauté, c'est la première mondiale. On va servir ce soir-là. Et c'est une montre enfant qui fait l'ordinateur. Il peut parler avec la maman, il peut tout faire avec sa montre. C'est très quelque chose de. Là aussi, je l'ai trouvé à une grande expo à Paris, une expo. Et quand j'ai proposé ma soirée, ils voulaient absolument présenter cette montre à la soirée de Kids Night. Ils sont dans le Paris, ils vont présenter cette montre qui est, c'est un peu c'est quelque chose, j'ai toujours voulu ça dans ma vie. Quand j'étais jeune, je voulais une montre que je ne pouvais pas parler pour pas courir à la maison, attendre le téléphone qui sonne pour avoir un boyfriend et pour répondre au téléphone. Donc là, je voulais toujours ça. Donc quand j'ai vu ça, moi, ça m'a touchée parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, mais il y a 45%. Et quand j'ai demandé, je voulais un téléphone sur mon poste. Ils m'ont dit, mais tu es folle, Francine, on ne peut pas faire ça, ça n'existe pas. Et c'était l'année 1972, je me souviens encore. Donc ça, c'est une petite anecdote. Voilà, donc...